Ah, c'est toi. Excuse-moi, je te reviens avec ma guitare. Mais non, j'allais juste boire un verre d'eau dans la cuisine. Tu n'as pas sommeil? Non, je n'arrive pas à dormir, alors je joue un peu. C'était joli ce que tu as joué. Ah ouais? Mmh? C'est sympa. Oula, qu'est-ce que tu as? Ça n'a pas l'air d'aller. Hein? Tu as raison. Ça va pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Hey. On s'est toujours tout dit, tous les deux, non? Ouais. Je suis triste, Cynthia. Et pourquoi tu es triste? Oh. Allez. Jimmy, qu'est-ce que tu as? Tu te souviens de ce que je t'ai dit l'autre jour quand on se retrouvait tous seul au garage? Ouais, je m'en souviens très bien. Je t'aime, Cynthia. C'est plus fort que moi. Je t'aime depuis si longtemps. Allez, arrête. Je sais que tu ne m'aimes pas, excuse-moi. Non, non, ce n'est pas du tout ça. Arrête. Je suis un grand garçon, maintenant, tu sais. Tu sais... Moi aussi, j'aurais pensé à ce que tu m'as dit. Ah oui? Oui. Et alors? Cynthia... Moi aussi, je crois que je t'aime. Ah non, non, ce n'est pas possible. Ah bon, tu ne veux pas? Oh, aussi, je veux, aussi, je veux. Je veux. Voilà. Je crois que ça fait tellement longtemps que je t'aime. Je n'ose pas me l'avouer. J'avais tellement peur de tout gâcher. Je te promets que... Tu ne gâcheras rien. Je t'aime. Je t'aime. Et ma cuisse de poulet? Ben, il n'y en avait plus. Hein? Mais il reste un demi-poulet dans le frigo. T'as pas pu regarder? Si, j'ai regardé partout, je te dis qu'il n'y en avait plus. Oh, bah, je vais chercher autre chose. Allez, je meurs de faim, mais non, non. Reste-la avec moi, reste-la avec moi. Non, mais attends. Hein? Non, mais t'as pas envie de rester un petit peu avec moi, là? Un petit peu. Bah, si. Hein? Bah, si. Tu as retrouvé ton appétit? C'est fini les graines aujourd'hui? Oui, je laisse aux oiseaux maintenant. Bon, Lali, c'est vraiment sympa que tu aies trouvé l'appétit, mais j'aimerais bien que tu nous aides un peu, parce que les garçons vont bientôt arriver. Hmm? D'accord, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, jus d'orange ou le café? Ouais. Hmm. J'ai une meilleure idée. De crêpes. De crêpes. De bonnes vieilles crêpes. Bien épaisses. Hmm? Ça vous dit? D'accord. Tu finis toujours par voir ce que t'aimes, toi. Hein? Non, mais les crêpes, ça vous va? Oh. Eh ben, vas-y, Lali. De toute façon, on ne peut pas t'en empêcher. Allez, hop, c'est parti. Voilà. En plus, j'ai découpé une petite recette dans un bouquin. Génial. Voilà, hop, farine. Saleté. Ah, hop, les ingrédients. Du lait, des œufs. Voilà. Wow. En plus, ces filles, vous savez quoi? Toute la nuit, je me suis posé une question. Alors là, attention. Non mais attends, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis demandé quel genre de garçon est-ce que vous aimiez. C'est vrai, par exemple, toi, Cynthia. Quel genre de garçon est-ce que tu aimes? On ne sait pas.
Et pourquoi est-ce que tu me poses cette question à moi? Comme ça? Bon, je ne sais pas, plutôt beau garçon. Non, mais d'accord, ça c'est évident. Non, mais brun, blond, roux, j'en sais rien, moi. Châtain. Châtain. Et toi, Linda, en fait, tu nous as jamais dit ce que t'aimais comme genre de garçon, non? Eh bien, moi, pour pas qu'il soit spécialement beau, mais... mais j'aimerais qu'il ait beaucoup de charme et qu'il soit très drôle. Très drôle, oui, mais non, mais c'est pas ça que je veux savoir, moi. Je veux savoir, est-ce que tu les aimes grands? Est-ce que tu les aimes petits? Est-ce que tu les aimes gros? Est-ce que tu les aimes maigres? Ça m'est égal, écoute, peut-être un grand pour me protéger et un petit pour que je le sais bien fort dans mes bras. Hein? Oh, bah, ça fait deux. Non, mais... Oh, Marc, c'est pas une mauvaise idée, deux. Oh, c'est peut-être bien. Là, allez, je plaisantais. Et pourquoi est-ce que tu nous poses tous ces questions? Parce que... je trouve que ce qui se passe dans cette maison n'est pas très normal. Oh. Qu'est-ce que tu racontes encore, toi? Oui, ben moi, je dis que... Toi, tu es bien la seule fille qui a un fiancé. Et nous trois, regarde-nous. Pauvres petites. Alors qu'on est si mignonnes, si intelligentes, si belles. On nous laisse comme des vieilles choses desséchées, sans quelqu'un pour nous prendre dans les bras, c'est vrai? Mais Lali, tu peux pas recommencer. Mais si, je recommence. Et en plus, je recommence deux fois plus, puisque je me sens concernée. J'ai pas envie qu'on me laisse dessécher dans un coin. Mais tu as oublié, on a un autre célibataire. C'est Manuela. Ben... Oh, mais Manuela, ça compte pas. Manuela, elle sera bientôt avec Jimmy. Hein? Et d'ailleurs, vous savez si c'est fait ou quoi? Bon, Lali, de toute façon, ça te regarde pas. D'accord, je m'occupe de mes crêpes. Mais moi, je dis qu'il y a un problème. Et il faut qu'on le résolve. Oh. Bon, on verra. J'entends les garçons, je crois. Salut, fille. Salut. Alors, ça va, ma Lali? T'as bien dormi? Ouais, j'ai hyper bien dormi. En plus, je vous prépare des petites crêpes. Oh, super, j'adore les crêpes. Ouais. Tu savais comme je t'aime quand on passe une nuit comme celle-là? Ouais. Je crois qu'on peut aller à table, tout est prêt. Bon, dites-moi les filles, vous savez quand revient Manuela? Dans 2-3 jours, pourquoi? Hein, non, comme ça en fait, je demande ça pour Jimmy. Hein, regardez comme il a l'air malheureux, pépère. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Hein, je suis pas malheureux du tout, moi. Au contraire. Mais attends, mais je suis sûr qu'elle te manque, ta petite Manuela. C'est vrai qu'elle est mignonne, non? Ouais, t'as raison, oui, elle est mignonne. Ouais. Bah arrête, je te fais marcher. T'inquiète pas, je vais travailler pour toi. Je vais te filer un coup de main, tu vas voir. José, je pense qu'il est assez grand pour se débrouiller tout seul. Bon, et toi, Lali? T'as pas ta crêpe? Tu en es où, là? Bah, ça va, mais... j'ai un petit problème. Ah bon, lequel? Faut la laisser reposer 5 heures. Ah ouais, d'accord. Bravo, Lali. T'as bien fait de la faire maintenant pour le petit-déj, c'est super. Linda, j'en veux plus, j'ai les abdos en feu. Mais non, continue, c'est là que c'est le meilleur, que ça fait le plus d'effet. Oh, tu rigoles, si je continue, là, je vais mourir. On ne meurt pas d'une série d'abdos. Allez, continue. Ah, j'en veux plus, Linda. Mais c'est pas possible, tu n'as pas beaucoup de résistance, toi. Ah, c'est ça. Excuse-moi, je fais ce que je peux. Ah. Et notre Lali, elle est où encore, là? Elle devait faire des abdos avec nous, elle aussi, hein? Non, mais regarde! On dirait qu'elle raconte sa vie à toute la salle de gym. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous prépare encore, elle? Comme d'habitude, sûrement. Une catastrophe! Alors, les filles, la gym, ça roule? Pour nous, très bien. Mais je vois que tu t'es encore beaucoup fatiguée ce matin. Oui, tu ne comprends pas si bien dit, hein? Salut! Je m'appelle Antoine. C'est vous qui cherchez un fiancé? Non, c'est une erreur. N'est-ce pas? Tu dois te tromper. Mais tu viens de me dire que ta copine blonde, elle cherchait un fiancé. Je te confonds, je t'ai jamais dit ça. Lali, qu'est-ce que c'est que ce pins? Où est-ce que t'es encore allé chercher ce type? Eh bien, nulle part. Bon, écoute, vas-y, je te rejoins tout à l'heure, d'accord? Allez, dis au revoir. Dommage. Salut. Salut.
Lalé, qu'est-ce que tu as raconté encore? Eh ben rien. Zut, oui, voilà. C'est parce que moi, je voulais trouver quelqu'un, quoi. Parce que je veux pas te voir malheureux, c'est vrai. Pas toute seule, ça fait un moment. Puis c'est pour ton bien, quoi, c'est tout. T'as pas l'impression de dépasser un peu les limites, là, non? Non, mais ça fait trop longtemps que ça dure. Ah bon? Eh bien, pour moi, je suis très bien toute seule. D'ailleurs, je m'en vais parce que je préfère ne pas passer la journée avec toi. Tu es impossible aujourd'hui. Ah oui, tu vas où? J'ai une casting pour une pub, si tu veux savoir. Bon, à tout à l'heure, Bénédicte. Oh non! Mais qu'est-ce qu'elle lui prend, là? Tu oses encore te poser la question, toi? Pourquoi? Mais c'était pas méchant. C'était pas méchant, non, mais à la langue, ça peut être agaçant. Tu peux comprendre ça, non? Bon, allez, moi, je te laisse, j'ai des cours. Et arrête de t'occuper des histoires des autres, Lali. D'accord? Salut, ma belle. Tout à l'heure. Elle va à un casting. Toi, elle va à un casting. Je lui présente l'homme de sa vie, elle va à un casting. Un casting. C'est peut-être pas une mauvaise idée, ça, un casting. Il va nous la jouer combien de jours, sa grippe, Olivier? Tu sais, une grippe, ça peut durer une semaine. Une semaine, c'est ça. Je crois plutôt qu'il en rajoute pour être tranquille avec Nathalie. Arrête, José. Olivier, il adore la musique, il adore répéter. Il n'a pas sacrifié une répétition pour Nathalie. C'est un passionné, ça se voit. Hein? Ouais. Et il est passionné d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Allez, arrête, José. Tu deviens vulgaire. Hein? Mais pourquoi tu dis ça? Mais moi, je trouve ça aussi sain d'être passionné par l'amour que par la musique. Mais c'est vrai, quoi. Et c'est plus naturel. Seulement, vous voulez jamais parler de ça, alors. Toi, par contre, tu parles toujours, hein? Mais oui, parce que moi, je suis normal. Moi, le sexe, je le pratique. Et j'en parle. Je suis normal, moi. Je suis bien dans ma peau, je suis pas comme Jimmy. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Mais attends, mon petit Jimmy, mais je sais ce que tu ressens. T'es amoureux de Manuela, mais t'oses pas lui dire. T'es là à tourner en rond comme un lion en cage. Tu joues les malheureux, là. Ça va pas du tout. Fais quelque chose. T'attrapes Manuela, tu lui dis que tu l'aimes, tu lui fais l'amour dans un coin et ça ira très bien. Arrête, José. S'il te plaît, ça me gêne. Et voilà, ça me gêne. Pourquoi les gens n'aiment pas parler de ça? C'est quand même incroyable. Mais Jimmy, c'est pas ça, l'amour. C'est beau, c'est vrai. Et si tu parles pas Manuela, ben moi, je vais lui dire. José, s'il te plaît. C'est gênant. Mais attends, t'as pas à être gêné. Il n'y a que Cynthia et moi ici, alors ça va, cool. Bon, laisse tomber. Bon, toi, Cynthia, tu vas me faire le plaisir de trouver un petit mec. Hein? Écoute, ne t'inquiète pas pour moi, je suis très bien comme ça. Ah non, t'es pas bien, non? On n'est pas bien quand on est seul, on s'ennuie. Et l'être humain est fait pour vivre en couple. Vous comprenez ça un petit peu? Ouais, je te remercie énormément pour tes leçons. Mais... Ouais, plutôt que de me remercier, vous feriez bien de tenir compte. José, qu'est-ce qui t'a à toi aujourd'hui? Pourquoi tu parles que de ça? Je suis amoureux. Eh bien, quand je suis amoureux, ben, j'ai envie que tout le monde le soit, c'est normal. Mais voilà, on est bien content pour toi, et c'est vrai, Bénédicte, c'est une fille super. Ah non, elle est pas super, c'est la fille la plus géniale. Et attention, je suis fou d'elle, hein. Puis après la nuit qu'on a passée, vous êtes nuls de rester tout seul, je vous le dis. Ah oui. Ben, merci beaucoup, parce que maintenant on le sait. Grâce à toi, José, merci beaucoup. Attends, mais maintenant tu vas me promettre de parler à Manuela. Et dès qu'elle va rentrer, t'as compris? Ça, c'est pareil. Tu vas te trouver un mec, d'accord? Parce que j'ai envie de vous voir heureux. Vous le méritez. Bah, on va essayer d'être heureux. Hein? C'est promis, José. Très bien. On pourra peut-être travailler maintenant. Très bien. On est peut-être venu pour ça. Ouais. Salut tout le monde. Hein? Eh ben, j'étais venu vous dire que Olivier ne pourrait pas venir aujourd'hui encore. Ah bah, attends, on s'en était aperçu. Hein? Salut. Tu t'appelles comment? André. André. André, est-ce que t'as une photo sur toi? Oui, bien sûr, tiens. Merci. Wow. Bien. T'as même marqué ton numéro de téléphone derrière. T'es un vrai pro, hein? Moi, j'ai déjà fait quelques castings. Mais celui-là, c'est pour quoi? C'est pour une pub. Ah, quel genre de pub? C'est une pub. C'est très long à t'expliquer, puis il y a beaucoup de monde, alors j'ai pas le temps. Mais t'inquiète pas, je te recontacterai, d'accord? Ok, à bientôt, enfin, j'espère. Oui, c'est ça. Allez, au suivant.
Bonjour, madame. Mademoiselle, oui. Tu t'appelles comment? Thierry, madame. Thierry. Thierry. Thierry, tu me laisses une photo de toi avec ton numéro de téléphone marqué derrière et tu t'en vas. Merci Thierry, au revoir Thierry. Oui. Au suivant. Salut ma puce. Quoi? Ma puce, tu sais que t'es mignonne, toi? Oui, je sais, mais toi, tu corresponds absolument pas à ce que je recherche, alors du vent. Non, mais attends, pour qui tu te prends? Et toi, tu te prends pour qui? J'ai dit dehors! Non, mais attends, ça va pas se passer comme ça! T'as entendu ce qu'elle a dit, là? Je crois que tu devrais l'écouter. Mais de quoi tu te mêles, toi? Allez, de ce qui me regarde, allez, sors maintenant. Non, mais attends, tu crois que tu me fais peur avec ta gueule d'ange? Non, mais j'ai pas envie de te faire peur, ce que je te demande, c'est de sortir. C'est ah ouais? Tout. Bah, tu vas voir. Bon, alors tu sors maintenant? Ok, je me casse. De toute façon, il est naze ce casting. Mais j'en oui, suis sûr. Naze, mais oui, c'est ça. Toi aussi, t'es naze de toute façon. Allez, du vent. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et vous venez pour le casting? Oui, j'ai vu une annonce chez Alfredo. Vous cherchez bien des garçons de 20 à 25 ans. Mm-hmm. Et vous vous appelez comment? Marc. Marc? Marc. Mais c'est joli, Marc. Là, il y a une petite erreur. Où ça? Bah là, t'as mis un fa dièse alors qu'on est en si bémol. Ah ouais? Toi, tu sais lire la musique, toi? Non, j'avais ça dans le piano. Ouf. C'est vraiment sympa ce que tu joues, Jimmy, là. Ah bon, merci. Bah attends, oh, c'est un petit génie, ce mec-là. Hein. Mais tu vas voir, quand Manuela va sortir avec lui, ça va être super. José, arrête avec ça! Oh, arrête, écoute, je te fais marcher, qu'est-ce que t'en penses, toi hein? Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Ah, bah, dis donc, Nathalie, qu'est-ce que tu prends? Et Olivier? Ah oui, tiens, d'abord, qu'est-ce que tu fais là encore? Rien, enfin, je sais pas, c'est... Non, mais je suis bien avec vous, c'est tout. Oh, toi, je te connais assez pour savoir que si t'es comme ça, c'est que t'as un problème avec Olivier. Non, ça fait 4 jours que je suis enfermée avec lui. J'ai envie de voir des gens différents, c'est tout. Et à part ça, ça va entre vous deux? Ouais. Oula, ça n'a pas très convaincant, ça. Hein? Mm. Bon, qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Ok, bon, bah, je m'ennuie, voilà. Comment ça, tu t'ennuies? Bah oui, depuis qu'on habite ensemble dans cet appartement, on a une vie de petits vieux, tous les deux. On en est même arrivé à regarder des feuilletons à la télé. Ça, en effet, c'est grave. Et c'est pas la peine d'exagérer non plus. Moi, je les aime bien, ces feuilletons. Ouais, mais enfin bon, plutôt que de regarder les autres faire l'amour, on ferait mieux de le faire. Mais... Là, tu as raison. Bon, c'est peut-être qu'une petite passage. Hein? Ouais, mais enfin, c'est vraiment pas drôle. Allez, arrête de faire cette petite tête-là. Mm. Je suis sûre que ça va repartir avec plein de dentelles entre vous deux. Ouais, j'espère. Ouais, t'inquiète pas, Nathalie. Puis bon, s'il est un peu ramolli, tu vas le motiver. Et... Tu sais que tu t'y connais dans ce domaine, non? Ah, très très drôle, José. Bon, allez. C'est vrai que ce n'est pas très délicat. Hein. Oh, bon, t'inquiète pas, avec lui, j'ai l'habitude. Hein. Bon, je vais retrouver Olivier quand même. Et puis bon, il est peut-être comme ça à cause de sa grippe, non? Oui. Bah oui, vas-y, ne t'inquiète pas. Hein? Bon, allez, salut. Tu l'embrasses pour nous? Ok. Bon, les filles, on travaille. C'est parti, mon vieux. Qu'une blonde comme Linda irait bien avec un garçon comme lui? C'est vrai, une blonde, un brun, une blonde. Hmm? Bon, d'accord, c'est vrai qu'il y a aussi Cynthia. Mais je sais pas pourquoi, elle, je la sens pas du tout avec ce type-là. Je préfère que ce soit Linda. Ouais. Comme ça en fait toujours une de casée. Oh, bah Lali, t'étais où? On t'a cherché partout. J'étais là, j'avais 2-3 trucs à faire. Mais ça va, moi, tu t'es déprimé pas trop? Oui, ça va bien, ça va bien. Et dites, les filles, ça vous dit de sortir ce soir? Pourquoi pas? Hein? En plus, il y a longtemps qu'on n'est pas allé au Nélise. Hein? Il y a juste un truc, moi j'ai des photos demain, donc je peux pas rester trop tard. Ah bon, ouais, t'inquiète pas.
De toute façon, à minuit, je suis au lit. Hein. Non, pas minuit. Bon, 1h du matin, d'accord? Ouais, d'accord. Maintenant, il va falloir le vendre à José, ça va être plus dur. Oh, attends, je m'en occupe. Bon, et qu'est-ce que vous avez fait alors aujourd'hui? Oh, bah écoute, la routine, hein. Bon, je vais aller en cours. Ah ouais? Et toi, ton casting, ça s'est bien passé? Oui, comme d'habitude. On se présente, il fait une petite vidéo de nous, il prend une photo et maintenant, j'attends une réponse. Ah ouais, on attend une réponse, quoi. Salut. Hey, vous êtes déjà là, vous? Bah ah. Oui, on vous attendait, hein. Ah tiens, je sais plus ce que t'es là. Voilà, Linda Benedict et moi avons décidé de sortir ce soir et il est hors de question que tu dises non. Pourquoi tu veux que je refuse? C'est une super idée, au contraire. Tu m'enlèves tout mon plaisir, c'est trop facile. Et oh, qu'est-ce qu'elle raconte? T'inquiète pas, je t'expliquerai. Bon, c'est super, donc on va manger un petit morceau et puis on va sortir. Ah ouais, puis oui. Hey, Cynthia, c'est cool pour toi, tu vas pouvoir te trouver un petit fiancé, hein, ce soir. Bon, maintenant, Cynthia et moi, on a quelque chose à vous dire. Cynthia et moi, on a... Salut, je suis de retour. C'est génial. On t'attendait pas de si tôt, nous. Ben, je sais bien, mais dès que j'ai eu fini, j'ai pris le premier avion. Oh, et alors, ma grande, ça s'est bien passé? Super, super. Ben, vous m'avez vraiment manqué. Hein. Jusqu'au dernier jour.